rappelle le principe, 4 créateurs en compétition, seul jour pour créer deux panoplies sur un thème imposé et une matière imposée. Cette année, la nouveauté, c'est une troisième pièce prête à porter en plus des deux looks imposés dans la compétition. Dans un lieu magique, il y a le Westin Paris Vodome, avec 400 personnes invitées, avec un jury de pro de la mode. Donc voilà, c'est une vraie réunion où les jeunes créateurs communiquent leur art aux invités, aux jurys, à la presse qui est présente. Troisième édition, concours tout jeune, c'est Lou de Festag, on peut applaudir très fort. Vous allez donc recevoir ce prix. So I guess it's true. Ok, on va applaudir. Je m'appelle Lou de Testa, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je participe au concours Podium Jeune Styliste. Je m'appelle Paul May Levanreau. Depuis que j'ai commencé la mode masculine m'intéressait beaucoup plus que la mode féminine. Dans mes créations, il y a toute cette histoire d'équilibre, équilibrer la dureté qu'on peut avoir avec de la légèreté. Disons que ce que j'ai vécu là, c'est vraiment une expérience formidable. Les deux dernières semaines ont été... autant que couleurs. C'est vraiment des gens super. On sait pas forcément où chercher, on sait pas forcément quelle est la meilleure solution. J'ai beaucoup appris en fait à travailler. C'est une super idée de pouvoir donner des outils utiles à des créateurs. On n'a jamais vécu ça comme une compétition, en plus même entre nous. Bon, nous on a plus vu ça comme en fait les deux personnes qui ont gagné comme des coups de cœur, plus que comme des gagnants. On a tous vécu un super moment tous ensemble. Ça, j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup. Là on est à la fin du défilé, Lou de Testa a gagné, Paul May a eu le prix d'honneur du jury. La soirée était formidable, je pense que notre équipe a très très bien travaillé, les créateurs ont été super. Pendant ces 3 mois de création, ils ont proposé ce soir des super panoplies. Et je pense qu'il n'y a pas qu'un seul gagnant, ils ont tous gagné quelque chose, ils ont tous été sur le podium. Leurs looks ont été appréciés par plus de 400 invités et c'est formidable. Donc merci à tous, mon équipe, merci à tous ces créateurs, merci à tous nos invités. Je m'appelle Michael Tchert, je suis président de Messe Frankfurt France. Messe Frankfurt en soi, c'est un groupe international. Je m'appelle Christophe Joss et je suis le parrain de cette très belle manifestation qui s'appelle Podium Jeune Styliste. Il y a eu beaucoup de talents. Très impressionné par le professionnalisme de toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de ce défilé. Nous sommes très attachés à la formation des jeunes. Je suis ravi parce que ça prouve que l'avenir est assuré en France pour la mode. Chaque vêtement était joliment travaillé et moi j'étais bluffé véritablement. Merci à toute l'équipe, merci à vous et à très bientôt. Merci, encore une fois, on applaudit.